Bonjour chers auditeurs d'ITV, aujourd'hui je me rends à Trans-en-Provence pour voir les lieux de la rencontre rapprochée du deuxième type qui s'est faite le 8 janvier 1981 vers 17h. Voilà. Renato Nicolai, le témoin, a vu se poser un ovni, redécoller l'ovni aussitôt. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'il y a eu des traces au sol et il y a eu des analyses qui ont été faites. Voilà, donc Renato Nicolai n'habite plus ici aujourd'hui. Il est retourné en Italie, dans son Italie natale, à Florence. Voilà, donc on va essayer de voir le lieu. Il faut savoir que l'endroit où s'est posé l'ovni a été vendu et qu'il y a eu des aménagements qui ont été faits. Donc la trace n'y est plus, mais elle est restée jusqu'à ce que les aménagements soient faits il y a quelques années seulement. Donc la maison de Renato Nicolai était en haut, elle a été vendue. Et là on va aller voir le lieu de la trace. Il y a quelqu'un qui est là. On va essayer d'aller voir si c'est possible d'y aller. En tout cas, là où il y a la petite cabane là-bas, au fond, c'est là où il y avait l'ovni s'est posé. Voilà. Bon, maintenant il n'y a plus rien. Et la maison tout au fond là-bas, c'est la maison de Renato Nicolai. On va essayer d'y aller. Hop. Bon, ça bouge un peu, hein. C'est du direct. Donc Renato Nicolai, je l'ai rencontré il y a quelques années. Il m'a parlé de ce qu'il avait vu. Ça l'a beaucoup marqué. Il n'a pas eu d'autres observations après, par la suite. Donc là, c'est la maison de Renato. Il était en train de faire des travaux à l'extérieur de sa maison lorsqu'il a été attiré par un bruit, un sifflement. Il a regardé en direction de ce bruit et il l'a vu, une sorte de scoop qui a atterri rapidement et qui a redécollé dans l'autre sens. Donc elle est venue plutôt de là, tac, atterri là et reparti dans l'autre sens par là-bas. Voilà.
Donc rencontre rapprochée du deuxième type, je rappelle ce que c'est selon la classification de INEC. C'est un objet volant non identifié qui est vu au sol avec ou sans trace à moins de 150 mètres du témoin. Donc là il y avait des traces. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À une prochaine fois.